Hey, bonjour à tous, donc c'est Kazin pour le Kazin Collection Show. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 23 juin, direction Vigogne. Allez, on se retrouve sur place pour les images. Ça y est, il est 5h15, on est arrivé sur place. Place aux images. Je le mets là. Hein. Alors vide-grenier terminé, on a trouvé pas mal de petits trucs sympathiques. On se retrouve pour le compte-rendu. Alors on se retrouve pour le compte-rendu vide-grenier du dimanche 23 juin. J'ai fait pas mal de bonnes petites trouvailles et je suis vraiment ravi puisque on va commencer tout de suite par ce compte-rendu, par le premier lot que j'ai trouvé, quasiment à l'entrée du vide-grenier et quasiment lorsque je suis arrivé. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors comme vous avez pu voir dans les images, j'ai tout de suite vu dans un premier temps cette boîte donc du jeu DS. Et en regardant de près, j'ai vu qu'il manquait le jeu. Donc j'ai demandé à la dame si elle avait le jeu et elle m'a dit de regarder dans la pochette. Alors j'avais pas du tout vu cette pochette et elle m'a montré donc la pochette ici. Et je me suis aperçu qu'en fait ça correspondait pas du tout au jeu DS. Et on va voir ensemble ce qu'il y a dans cette pochette. Donc j'ai récupéré la boîte, elle m'a donné la boîte puisqu'elle n'avait pas le jeu DS. Et mais j'ai récupéré ça. Donc dans cette housse, il y avait tout d'abord une magnifique Game Boy Advance. Elle est en état parfait. Elle n'a pas une rayure, elle est vraiment ultra propre. On se demande même si elle a été utilisée tellement elle est propre. Donc dans ce lot, il y avait cette magnifique GBA. Et enfin, il y avait des jeux Game Boy. Alors quand on voit la cartouche bleue tout de suite, on sait que c'est du Pokémon. Alors on va voir ensemble ce qu'il y avait dans ce petit lot. Et je vous dirai après sur le prix que j'ai payé pour ce lot. Donc il y avait tout d'abord le Gremlins 2. En version FH, le Pokémon bleu, donc version française FRA, elle est vraiment magnifique, pas du tout abîmée. C'est rare de trouver des cartouches aussi peu usées. Il y avait aussi le Super RC Pro AM en FH, le Fourmiz ici version française, et enfin une cartouche pirate. Donc c'est une cartouche où il y a 105 jeux en une cartouche, tout simplement. Donc ce lot de jeux Game Boy avec la GBA, la housse et donc la boîte vide, j'ai payé ce lot 8 euros. Par la suite, j'ai demandé à la dame si elle avait d'autres jeux vidéo. Elle m'a dit que non, mais j'ai quand même continué à fouiller dans le stand et j'ai pu trouver, et heureusement que je ne me suis pas arrêté à ça, j'ai pu trouver donc dans cette housse, il y a tout simplement une petite... Hop, GBA SP, donc Game Boy Advance SP, elle aussi en état magnifique.
vraiment pas une rayure. C'est vraiment rare de trouver, surtout ce modèle-là, aucune rayure sur le dessus. Elle est vraiment super propre. Regardez-moi l'état de cette console. Donc ça fait super plaisir. Et donc j'ai payé cette console la somme tout simplement de 4 euros. 4 euros. Enfin, c'est 2 euros, mais en fait non. 4 euros la somme payée pour cette magnifique Game Boy SP. J'ai trouvé deux jeux Wii. Le Donkey Kong Country Returns, qui est, je crois, ah ben non, il manque la notice, pas complet, donc sans notice. Donc celui-ci, je l'ai payé à la somme de 2 euros, qui est un super prix pour un jeu Wii. Et j'ai mis un petit peu plus le prix pour celui-là, qui est le Super Mario Galaxy 2, que j'ai payé 4 euros, qui lui est parfaitement complet. Avec même la petite carte VIP avec le code non gratté. J'ai trouvé aussi un petit lot de cartes Pokémon avec une figurine, magnifique figurine ici de Rayquaza, que j'ai payé la somme de 50 centimes. Il est vraiment magnifique, le petit Rayquaza. Et j'ai acheté un petit classeur ici de cartes Pokémon. On verra en détail dans une prochaine vidéo de quoi est constitué ce classeur de cartes Pokémon. Les cartes sont pas en très très bon état, mais je montrerai plus en détail le contenu de ce classeur dans une prochaine vidéo. Mais il y a pas mal de cartes que je n'avais pas qui va compléter ma collection. Regardez-moi ce magnifique Dracaufeu. C'est vraiment dommage que la carte est bien dégueulasse. Il y a quelques cartes, donc ex, ultra rare, full art, mais les états ne sont pas très très bons, mais c'est pas grave, ça va compléter. Alors ce classeur, je l'ai payé la somme tout simplement de 3 euros, qui est un excellent prix pour des cartes Pokémon. Et enfin, donc pas, c'est pas encore terminé. Comme vous avez pas dans les vidéos, je suis tombé sur trois jeux, non non deux jeux PS4. Le Crash Bandicoot, le Insane Trilogy. Donc on a les trois jeux qui sont sortis sur la PlayStation 1. Celui-ci, je l'ai payé 3 euros. Et enfin, le Wipeout Omega Collection, que j'ai payé aussi la somme de 3 euros, qui est un excellent prix pour des jeux PS4. Et enfin, pour terminer, j'ai pu trouver deux jeux Pokémon en loose pour la DS, qui est le Pokémon version blanc et le Pokémon version argent Soul Silver. Je les ai payés la somme de 1 euro chacun. Donc voilà, je trouve que j'ai fait de très bonnes trouvailles pour ce vide-grenier. Ça fait vraiment plaisir. La Game Boy SP Advance est juste magnifique. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures de brocante et aussi de découvertes de jeux vidéo, d'ouverture cartes Pokémon. Allez, ciao ciao!